Les portes ouvertes de Saint-Émilion se tiendront le week-end du 29 avril au 1er mai. Avec plus de 80 châteaux concernés, les portes resteront fermées. Il serait absurde de penser que nous vous réserverons un accueil des plus chaleureux. Comme vous l'imaginez, c'est un monde inaccessible. Il faut arrêter de dire que notre famille vous fera visiter. Il est certain que nous faisons un vin réservé aux connaisseurs, à l'élite. Il est donc difficile de croire que vous allez réserver votre premier week-end de mai pour visiter le château du Val d'Or, des vignobles bardés. Pourtant, pour visiter le château du Val d'Or, des vignobles bardés, vous allez réserver votre premier week-end de mai. Il est donc difficile de croire que nous faisons un vin réservé aux connaisseurs, à l'élite. Il est certain que notre famille vous fera visiter. Il faut arrêter de dire que c'est un monde inaccessible. Comme vous l'imaginez, nous vous réserverons un accueil des plus chaleureux. Il serait absurde de penser que les portes resteront fermées. Avec plus de 80 châteaux concernés, les portes ouvertes de Saint-Émilion se tiendront le week-end du 29 avril au 1er mai.